La vois-tu qui s'avance dans sa tunique légère, le visage encadré de lourdes tresses dorées rehaussant la laiteuse beauté de son épaule? C'est ainsi que Vénus apparut devant Mars, lui ouvrant ses deux bras. Tout ce que je vois n'est que perfection. Je présume que tu es attaché à cette maison. Plus que tu ne l'imagines. Et tu t'appelles ? Lygie. Lygie. Lygie, tu es ma providence. Je crois que je sacrifierai une douzaine de blanches colombes à Vénus pour la remercier de t'avoir rencontrée. Ton sacrifice sera bien vain, j'en ai peur. Par les dieux, ce vieillard doit connaître un bon marchand d'esclaves. Tu es belle et de plus, tu as la répartie facile. Il n'y a pas d'esclaves sous ce toit. Ce vieillard, ainsi que tu viens de l'appeler, j'ai l'honneur et la joie d'être sa fille, sache-le. Je te demande pardon. 3 années de campagne m'ont obscurci l'esprit. Je suis sincèrement désolé, veux-tu me pardonner? Tu n'as aucune raison de me demander pardon. Pendant trop longtemps, Lygie, les seules femmes que j'ai vues ou connues n'étaient que de pauvres filles barbares. Elles n'avaient rien d'attirant. Des barbares? J'ai entendu dire que les femmes de Bretagne et de Gaule sont merveilleusement belles. Lygie, je suis forcé de te dire que les femmes de Bretagne s'enduisent le corps de graisse animale. C'est un désir bien naturel quand on veut avoir chaud. Oui, mais cette chaleur ne se communique pas, je t'assure. On n'en a que l'arôme. Quant aux si belles femmes de Gaule, eh bien, leur tignasse fait penser à des cordes d'étoupe. Rien qui n'approche de cette douce couronne d'or chaud où scintillent les étoiles. Leurs paumes sont rugueuses comme les arbres de leur forêt. Rien qui ressemble En tout cas, cela prouve qu'elles sont dures à l'ouvrage. Oui, elles savent faire des maisons de torchis. Mais elles ne sauraient faire le bonheur d'un homme. En somme, je n'ai aucun regret. Quel regret? Que Pétrone ait arrangé mon séjour ici. Si le destin continue à se montrer aussi clément, mon oncle aura mérité des dieux. Si tu veux m'excuser, Marcus, je te laisse, je vais dresser la table.